Bonjour à tous, voici le confinement total numéro 3. Ça veut dire que vous êtes bloqués à la maison, on est tous bloqués à la maison, c'est comme ça. Et le but c'est de faire quand même des tours à nos amis, donc on va le faire par téléphone. Alors Jérôme il ne connaît pas le tour, j'attendais qu'il arrive pour lui montrer. Je lui ai fait déjà le 2 et maintenant le 3. C'est bon Jérôme? Allez, c'est parti. Donc je t'ai mis un jeu de cartes devant tes yeux. C'est bon, montre-le. Joli. Tu peux le mélanger. Alors moi je suis là, j'ai pas le droit de regarder puisque je suis au téléphone. Tu mélanges. Allez, ok, c'est mélangé. Tu coupes une partie du jeu et le reste on n'en a plus besoin. Donc je coupe une partie du jeu. Le reste tu le fais disparaître comme ça, il n'y aura pas d'embrouille. Allez, donc ça je mets derrière, on n'en a plus besoin. Et ce jeu qui te reste, tu vas le mélanger. Ah, pardon, ok. Ouais, et t'as une partie de jeu, c'est bon. Ok. Il faut que tu comptes le nombre de cartes que tu as. Et je compte le nombre de cartes que j'ai. Oui. Ok. Je ne veux pas savoir. Moi, je suis en confinement total. Je suis obligé de faire du sport. Je le montrerai à la caméra aussi. Hein. Tu peux montrer, moi, je veux rien voir. Confinement total. Tout. Ok, attends, je le note sur le papier. Allez, note, parce que moi, j'ai compté quand même assez rapidement. Voilà. Alors, ok. C'est bon. Tiens, un nombre de cartes, c'est bon. Oui. Tu connais ce nombre? Oui, je l'ai noté. Imagine, t'en as 12, tu vas faire 2 plus 1. Ok. Et t'auras un chiffre. Tout à fait. Un ou un nombre. C'est bon? Oui. Tu l'as? Eh bien, oui. Ce nombre, par exemple, 2 plus 1, ça fait 3, tu enlèves 3 cartes. D'accord. Et tu les enlèves, on n'en a plus besoin. Ok. Donc, je les enlève de où, par contre? De ce jeu que tu as, n'importe où. À n'importe où? Tu mélanges. Ah, d'accord. Je veux pas savoir. Et j'en enlève, allez, j'en enlève, bah donc, ok, on a compris que ça plus ça, hein, ça faisait ça, ok, je les enlève. C'est bon. Très bien. Alors, comme on est à Sanary, j'ai pas le droit de sortir plus de 10 mètres de chez moi, c'est comme ça, c'est passé dans le journal et à la télé, donc je suis obligé de faire du sport à la maison. Ah oui, pardon, je continue. Maintenant, tout ce qui te reste, on va jouer avec. Ouais. Tu vas enlever... 1, 2, 3, 4, les cartes que tu veux, mais moins que la moitié du jeu. D'accord. Tu peux en enlever une, tu peux en enlever deux, tu peux en enlever 3, 4, 5, comme tu veux, du moment que c'est un peu moins que la moitié, comme ça il nous en reste un peu pour jouer. Okay. C'est bon? Allez, tout. N'importe où. N'importe où. Et celles-là, tu les gardes. Tu les mets de côté, mais tu les gardes. Tu peux les mettre sur le chevalet. Comme ça, tout le monde les voit, le nombre que tu en as enlevé. Attends, je le montre. Je vais les mettre là, voilà, au moins comme ça on voit le nombre de cartes que j'ai enlevées. Hop. Ok. Bon. Ah, maintenant, imagine t'en as enlevé deux. En partant du dessus de ton jeu qui te reste en main, tu regardes la deuxième carte. Si t'en as enlevé trois, tu regardes la troisième et ainsi de suite. J'ai compris. T'as compris, allez. Alors attends. Ok. C'est bon? Non, attends. C'est bon. C'est bon. T'as montré une carte à la caméra? Ah non, je l'ai pas montré. Alors montre-leur la carte que t'as, que le hasard a fait que t'as choisi celle-là. Ok. T'es d'accord avec moi que ça, c'est tout le hasard, je peux rien savoir. Attends, parce que j'ai la lumière, donc c'est ça qui est donc dans la même position que le nombre qui est ici. C'est bon? Donc, c'est bien celle-là. Ok, c'est bon. Tu mets le jeu qui que tu as dans les mains face en bas. Face en bas, oui, c'est bon. Ou alors tu les fais comme ça à la caméra. Et ouais. tu m'énumères en partant du dessus toutes les cartes une par une. Mais tu peux aller vite, ça m'est égal. D'accord. D'accord. Ok. Allez, on y va. Dame de carreau, valet de pique, as de cœur, 2 de carreau, roi de carreau, roi de cœur, 4 de carreau, 3 de cœur, as de carreau, 5 de cœur. Dame de trèfle, dame de cœur, 6 de carreau. Ah, j'ai eu un problème, est-ce que tu peux me les redire une par une? Dame de carreau, valet de pique, as de cœur, 2 de carreau. Attends, 2 de carreau t'as dit? 2 de carreau, ouais. Eh ben c'est pas celle-là, c'est bien ça, t'as vu? J'aurais pu tomber dessus, allez continue. Vrai. Donc roi de carreau, roi de cœur. Ah, roi de cœur? Oui. Eh ben c'est pas celle-là non plus. C'est fort, hein. Mais c'est pas ça. C'est que c'est pas celle d'avant, c'est pas celle d'après. Mais c'est le roi de carreau. Le roi de carreau? Bien ou bien? Tu es sûr de ton choix? Je suis sûr. C'est ça. Alors? Joli, ça.
Joli. Dur, celui-là, très très bon. Surtout que tu sais que moi, je suis pas un matheux. Hein. Très très bon. Et je peux pas tout faire, hein. Compter, chanter. Oui. Plus complexe celui-là que l'autre, quand même. Ah, bien. Joli. Là, ça c'est pas mal, ça. Ah, voilà. Donc, ça m'a donné l'occasion de faire un peu de sport. Confinement total numéro 3, je vous garantis qu'il est balèze. Et c'est très bien à faire par téléphone. Et je vois Jérôme qui commence à chercher avec sa tête, le contrôleur, la tête que t'as. D'habitude, il y en a que je connais. Là, je connais, je veux dire, c'est la première fois que je le vois. Donc, du coup, je vais chercher 10 minutes pour savoir si je trouve. 10 minutes. Voilà. Oui, mais je vais trouver. Si tu veux, on laisse la caméra en route. On verra que 10 minutes, c'est pas mal. C'est pas assez. J'avoue que ça, c'est bon quand même. C'est pas mal. J'avoue que c'est bon. Voilà. Donc, c'est sûr qu'à la maison, je vous expliquerai comment le faire d'une autre manière. Là, j'ai fait le sport pour qu'on me voit, que je fais rien, que j'ai pas de trucs dans les mains et tout. Mais voilà. Tout sera bien expliqué. Ce que je peux te dire déjà, c'est qu'elle se place jamais au même endroit, ça c'est sûr. Ah, t'as déjà calculé rapide? Ben non, mais c'est de trop, ça serait forcément impossible. Parce que si elle se place au même endroit, ben c'est automatique, il suffit de refaire ce que t'as fait, ça marche tout seul. Mais ouais, non, mais c'est pas ça, effectivement, ouais. C'est pas ça. Donc déjà, elle se place pas au même endroit, donc ça c'est fort. Donc comment tu prends ton repère? Je vais calculer. Allez, je vais calculer vite fait. Je vais me le refaire dans mon coin. Oui, je me régale. Bon, on dit quand même merci à David, parce que le 2 et le 3, c'est encore David. Je l'ai quand même amélioré instantanément par téléphone quand il me l'a dit. Il m'a dit, c'est vrai que j'y avais pas pensé comme ça, et c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà, parce que lui, il fallait qu'il prenne un papier, stylo. Moi, j'ai dit, il n'y a pas besoin, regarde, on fait des pompes et c'est encore mieux. Il m'a dit, c'est vrai, bravo, il m'a dit bravo, parce qu'en une seconde, j'ai réussi à trouver ça. Alors que de base, il aurait fallu prendre un papier, un stylo et faire des machins, des calculs. Et ben moi non plus. Je fais pas ça. Voilà. Merci à vous. Maintenant, on va passer à d'autres tours qu'on a prévus. Ça sera les grands classiques, donc ils seront à la suite. Merci, à tout bientôt. Bye bye.